Si tu veux ouvrir un compte professionnel pour lancer ou faire grandir ton activité d'indépendant, alors je te conseille Conto. Q O N T O. Conto c'est un compte pro 100% en ligne, bien sûr, zéro paperasse, avec plein de services méga pratiques quand es freelance ou solopreneur, comme par exemple pouvoir facturer et suivre ses encaissements directement depuis ton compte pro en quelques clics. Conto est recommandé par un demi million de clients, autant que d'auditeurs du podcast Le Board depuis que je l'ai lancé, donc c'est la classe. Et on te fait un beau cadeau avec Le Board, trois mois offerts sur les plans basiques smart ou premium avec le code promo Flavie en majuscule. Alors go essayer Conto sur conto.com, q -o -n -t -o Entreprendre en solo, en toute liberté, sans employés et développer un business rentable, scalable et durable, c'est possible. Je suis Flavie Prévost, ex-dirigeante devenue solopreneur et créatrice du premier incubateur de solopreneurs en France. Avec ce podcast, j'ai voulu créer le board que j'aurais aimé avoir à mes côtés quand je me suis lancé en solo. Un board composé des meilleurs experts, disponible chaque semaine gratuitement à mon micro pour te donner des super conseils et te mettre au défi. L'épisode va commencer, et je te préviens ça va vite. Alors n'oublie pas de t'abonner à la newsletter pour recevoir les bonus. Allez, pour cet épisode final, euh, c'est un peu le pêle-mêle avec euh, toutes les erreurs peut-être que tu as pu commettre, toi, en lançant Scribecast. Et qu'est-ce que tu aurais envie de donner comme message à nos chers solopreneurs pour éviter ça et pour... Alors, je pense qu'on ne peut pas tout éviter, on en a parlé, hein. les erreurs, elles sont constitutives de votre apprentissage. Mais bon, là maintenant, si tu devais reprendre tout à zéro et recréer un sas, qu'est-ce que tu ferais différemment Alors... Peut-être pas différemment parce que je pense avoir suivi les bonnes règles. En ayant lu pas mal de bouquins et écouté pas mal de podcasts, tu commences aussi à comprendre comment il faut, il faut faire, en tout cas sur le départ, le, le 0 à 1. Euh, N'essayez pas de faire un produit trop parfait pour vous, euh, parce qu'il n'est jamais assez parfait, de toute façon il y aura toujours des choses à faire. Donc dès le départ, dès que vous avez euh, que vous sentez que votre produit peut répondre à un besoin, bah déjà parlez-en autour de vous. Faites tout simplement une landing page, un petit site vitrine qui présente le produit et sa solution, la solution qu'il apporte aux besoins, avec un un, une, un input pour laisser un email pour que les gens puissent s'inscrire. Déjà ça c'est le minimum. N'attendez pas d'avoir votre produit fini, faites ça d'abord. Vous voyez s'il y a de l'inscription, si euh, au bout d'un jour ou une semaine il y a 10, 100 personnes, vous dites ok, il y a de l'intérêt. Là je vais commencer à travailler sur le produit. Euh, et quand vous travaillez sur le produit Sortez rapidement une V1. Vous Faites vos interviews avec les gens qui se sont inscrits sur le, la landing page. Vous les interviewez, vous discutez avec eux. C'est quoi ton besoin Comment je peux t'aider Si je t'apporte ça comme solution, est-ce que tu serais prêt à payer Et si la réponse est oui, bah très vite sortez votre produit, surtout en no-code. Le premier mois, vous pouvez sortir quelque chose. Faites-le tester. Et c'est là où vous, euh, vous allez dire OK, euh, j'avais un truc en tête, mais finalement, c'est pas du tout ce que les gens veulent. Euh, il faudrait que je bifurque un peu. Ne perdez pas de temps. L'avantage du no-code, c'est que vous pouvez itérer rapidement. Donc, euh, faites-le. Et c'est seulement après que vous pouvez peaufiner votre produit, justement avec les feedbacks utilisateurs et une roadmap bien définie. Et euh, du coup, alors c'est intéressant, est-ce que tu te rappelles, euh, je sais pas si tu les avais notés quelque part, mais <laughs> combien de combien d'inscrits tu avais sur ton, ta liste d'attente au début, ou avec combien de bêta-testeurs tu as commencé Parce que parfois, je sais pas ce que tu en penses, mais parfois les gens ils viennent me voir en me disant, ah c'est nul, j'ai que euh, j'ai que genre 7 clients, un truc comme ça, et je suis là, bah... En fait, c'est pas nul. Enfin, tu vois, tu, tu commences ton truc, tu commences ton bootcamp, tu commences ta formation. Enfin, je veux dire, je sais pas. Je crois que les gens ils s'imaginent qu 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 que dès qu'on publie un truc, on a 500 clients sur la liste d'attente. Mais enfin, moi, c'est pas du tout mes souvenirs de lancement de produit. Hein. C'est pas du tout aussi spectaculaire, et ça m'a pas empêché après derrière de, de générer des bons chiffres d'affaires. Non, bah t'as raison. Moi, quand j'ai lancé ça, euh, j'en ai parlé sur LinkedIn, sur Twitter, je crois, et euh, j'avais mis ma landing page. J'ai eu peut-être sur une semaine euh, une centaine d'inscrits. Encore une fois, c'est très niché, donc tout le monde ne va pas vouloir utiliser le produit. Hein, c'est pour du podcast. Il y avait beaucoup de curieux aussi. Mais une centaine ah oui. d'inscrits, sur la centaine d'inscrits, peut-être euh, un bon tiers finalement qui ont euh, sauté le pas d'aller de, de, voir le produit et de s'y inscrire et de l'essayer. Donc ça, ça okay. passe par un email en disant tiens, tu t'étais inscrit, voilà le le produit est disponible, tu peux l'utiliser ici. Voici, voici un petit code promo euh, si tu veux faire payer dès, dès le départ les gens. Euh, Peut-être une dizaine d'inscrits et euh, sur la première version j'avais peut-être trois ou quatre clients donc version du mois de juin et après euh, j'ai continué à peaufiner durant l'été euh, juillet août c'est ça juillet août j'ai laissé la l'accès la, en bêta fermé à la solution j'ai continué à développer durant l'été le produit et en septembre j'avais sorti la v1 qui là répondait plus ou moins à tout le monde quoi en termes de, de besoins ok non mais donc intéressant en gros on passe de 100 à 3. Et euh, bah pour ceux qui ne sont pas habitués aux métriques de conversion, c'est le genre de déperdition auquel on est habitué entre le lancement, les gens qui disent ouais, c'est génial ton truc, et puis ceux qui vont effectivement <laughs> sortir la carte bleue, ou encore pire pour un sas, se mettre à l'utiliser, parce que toi en plus, tu as un peu une logique d'implémentation qui, euh, qui est assez redoutable aussi là-dessus. Ok, trop bien. Euh, quelles sont les autres erreurs ou euh, conseils que, que tu donnerais pour les éviter eh ben on est en, en étape deux maintenant, le produit est sorti, l'erreur à faire, à ne pas faire, du coup. Il ah, faut prendre le juste milieu, il faut écouter ses clients, les feedbacks, mais il faut pas dire oui à tout le monde et euh, développer tout. Tous les besoins ne sont pas euh, viables. C'est pas parce qu'un client a besoin de quelque chose spécifiquement que euh, ça va répondre à la majorité de tes clients demain, et au contraire, ça risque de rendre ton produit trop complexe aux, aux yeux de certains. Mmh. Donc restez simple. Prendre les idées comme elles viennent, les noter, ça, ça c'est sûr il faut les noter, mais ne pas tout développer, ne pas tout mettre dans ta roadmap de développement finalement, et mmh. euh, se donner une vision, un axe stratégique, peut-être pour se différencier aussi de la concurrence. Ok, eux ils font ça, ça, ça. Il faut que je le fasse pour être au même niveau, mais il faut pas que je copie tout. Il faut que je fasse d'autres choses pour me différencier et euh, dire ok, quand il y aura le choix entre mon produit et un autre, pourquoi les gens vont venir chez moi? C'est aussi ça, c'est okay. pas non plus faire que du copycat, c'est apporter de la nouveauté. Alors, ça, c'est intéressant. Et tu vois, quand tu parlais de roadmap tout à l'heure, je me disais que typiquement, moi, je pourrais, je devrais me créer une roadmap, même si ce n'est pas un logiciel. Mon incubateur solopreneur, tu vois, tous les jours, il y a des gens qui me disent, euh, je sais pas moi, tu devrais faire ça, tu devrais enlever ça, tu devrais rajouter ça. Il y a un peu une question d'arbitrage. Et euh, un peu annuellement, je le revois, je fais des trucs, mais j'ai pas une roadmap formalisée et je pense que ça manque, parce que du coup, pour pas oublier les idées ou pour euh, garder celles qui reviennent fréquemment et qui peuvent aider. Donc, euh, un bon point pour tous les solopreneurs, quels qu'ils soient, sas ou pas sas. Ok, trop bien. Est-ce que tu as un petit euh, dernier conseil pour la route mmh, Tout simplement, bah, c'est un peu bateau, parce que c'est ce que je dis tout le temps et que beaucoup disent, c'est euh, n'ayez pas peur, sautez le pas et passez à l'action. Eh bien, voilà. écoute, on va suivre tes conseils précieusement. Je vous rappelle qu'on a la newsletter du board où tu nous mets euh, tous tes conseils, toutes tes inspirations, plein de noms aussi euh, de personnes à suivre dans le domaine et toute ta stack d'outils pour créer un micro-sas. Et surtout, bah, on te retrouve, euh, michael dans la communauté, dans les parages. Donc, venez nous poser euh, vos questions aussi et vos questions à Mickaël si vous voulez créer votre micro-sas. Trop bien, euh, je te remercie énormément. Je te souhaite euh, plein de bonnes choses pour la suite, pour Scribecast, pour tes aventures avec nos codes bento et toutes euh, tes futures aventures de freelance euh, solopreneur. Je suis sûr qu'il y en aura plein encore <laughs> cette année. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Mickaël, et merci à toutes et à tous. Et à bientôt dans les prochaines mini-séries du Board. Bye bye. Merci d'avoir écouté cette série jusqu'au bout. Je sais pas si tu sais, mais euh, je remercie personnellement tous ceux qui mettent 5 étoiles et un avis sympa sur leur plateforme de podcast ou qui partagent le board sur les réseaux sociaux en me taguant. N'hésite pas à te manifester auprès de moi et je t'enverrai un petit goodies personnalisé du board pour te remercier. Merci à vous de m'aider à faire grandir le média des solopreneurs et à plus